Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. La main d'Anokiaou, le créateur du cannabis, l'étoile Sirius, fut sur moi. Et l'Éternel, le créateur du cannabis, l'étoile Sirius, me transporta en esprit. En esprit, par l'esprit du THC, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me déposa en esprit dans le milieu d'une vallée. La vallée du champignon, la vallée de l'hémisphère sud, de l'hémisphère nord, pardon, la vallée du champignon, la vallée du royaume de Seth, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, ces ossements, à la surface de la vallée. Donc il y a beaucoup d'ossements à la surface de l'empire égyptien. L'empire égyptien qui est l'empire eurasiatique. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole d'Anokiaou, le créateur du cannabis. Ainsi parle Adonai, Yahuwah, à ses eaux qui sont les esclaves noirs issus de la traite négrière. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, l'esprit du THC, l'esprit du cannabis, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous mon esprit, l'esprit du THC, l'esprit du cannabis, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis Anokiaou, l'étoile Sirius, le créateur du cannabis. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia! Réunification du peuple noir, arc-en-ciel comme un seul homme. Israël se leva comme un seul homme. Je regardais, et voici, leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle Adonai, l'étoile Sirius, le créateur du cannabis. Esprit du THC, viens des quatre vents des cieux. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, l'armée d'Israël, le peuple noir, arc-en-ciel. Donc des eaux secs. Ils sont secs, ils ne sont pas humides. Hein. Donc le sec, la sécheresse, fait référence au peuple noir, l'hémisphère sud. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, le peuple noir, arc-en-ciel, cannabique. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Pardon, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle Adonai, l'étoile Sirius, Anokiaou, le créateur du cannabis. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ah, la mort!
Vous êtes mort parce que vous m'avez abandonné. Vous avez abandonné Anokaou, le créateur du cannabis. Vous êtes mort. Vous êtes mort et vous avez été déporté. Déporté. Déporté en esclavage au royaume de l'Égypte, le royaume de Seth, le royaume des champignons sur deux pattes. Alléluia! Oh mon peuple, oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, alléluia, l'hémisphère sud, l'Afrique, l'Égypte antique qui est Israël, le jardin de l'Éden, alléluia. Et vous saurez que je suis Anokiaou, le créateur du cannabis, l'étoile Sirius du Golden Age, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, alléluia. Et que vous traverserez la mer Rouge, qui est l'océan Atlantique. Atlante, Atlante qui signifie rouge de peau, alléluia. Je mettrai mon esprit, l'esprit du THC, l'esprit du cannabis, en vous, alléluia, système endocannabinoïde, et vous vivrez. Je vous rétablirai, maison d'Israël, le peuple noir arc-en-ciel dans votre pays, le jardin de l'Éden, l'Égypte antique, et vous saurez que moi, Anokiaou, j'ai parlé et agi, dit le créateur du cannabis. Alléluia!